beaucoup de ressources non mmh. toujours hein, quand même okay. ouais oh, c'est un truc de fou salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic allez faire comme ça vous ça va très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on vous représente grulagro on le présente en bonnet du forme dans sa nouvelle mouture avec la rotation et toute la patate euh, qu'il contenait déjà voire peut-être même encore mieux avec les nouveaux ajouts de euh, Bloomborough. Qu'est-ce que c'est Grulagro On joue des bêtes qui vont profiter du fait qu'on lance des sorts. Alors on a Vivelance du Monastère, Prétentieux et euh, Druid Enquête qui, euh, d'un côté, on a la prouesse, d'un côté, on a la, la méga prouesse et de l'autre, on prend des marqueurs quand on lance des sorts euh, non verts, c'est-à-dire quasiment tous les, les cartes du deck. Et euh, de l'autre, on a Héros et défius Bresker qui. Euh, héro, le Héros va prendre des marqueurs quand on le cible avec des sorts et Defuse Bresker qui va prendre un plus un plus un grâce à la prouesse et. Qui va euh, exiler la carte du sud de notre deck pour pouvoir la jouer ce tour-ci quand elle est la cible d'un sort ou d'une capacité qu'on contrôle pour la première fois à chaque tour, évidemment. A côté de ça, on va packer un max de spells, donc choc, euh, bah, puisque ça peut tuer l'adversaire ou des bloqueurs et que ça trigger prouesse. Puissance des humbles qui donne piétinement, plus 1, plus 0 si on contrôle une souris, piocher une carte. On contrôle assez facilement une souris puisqu'on en a 8. Rage monstrueuse, c'est le meilleur trick de combat, c'est plus 2, plus 0. Et plus un, plus un piétinement en éphémère. Audace, c'est plus deux, plus zéro piétinement qui fait pucher une carte plus tard. Vol en peau de serpent qui fait plus un, plus un. Et défense hispanique pour protéger nos petites bêtes. Et le druide qui est aussi un sort, hein, puisqu'on ne va pas souvent le jouer en créature tour 2. On va plutôt le garder pour exiler deux cartes sur notre deck et les jouer jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la prochaine étape de fin. Donc on peut le faire fin de tour adverse, par exemple, pour détaper, faire des trucs zinzin. Euh, le setup, c'est qu'on va essayer de mettre ça en gros en complot. Euh, idéalement ou de jouer une bête au, au tour 2 agressive et au tour 3 balancer des spells et euh, peut-être pas tuer l'adversaire dès le tour 3 mais le mettre vraiment très très mal sachant que sur certaines sorties on peut tuer l'adversaire au tour 3 c'est assez vénère euh, bon si l'adversaire faut qu'il ronfle un peu bon, à la base euh, classique en side on a 3 choisissez votre poison un éclair oblitérant euh, 3 éclairs oblitérants pardon 3 forges du roi brasque ça c'est pour grinder dans des matchups où vous n'allez pas pouvoir finir notamment contre les decks noirs qui ont beaucoup d'interactions c'est assez dur de, de passer euh, Frénésie du piston des sorcière qui va vous dégager le passage et Jaya, Négociatrice Ardente je pense que c'est une carte aussi pour grinder dans certains match-up bah, c'est bien contre contrôle, notamment. Voilà, contre contrôle. je ne sais pas si c'est très présent contrôle, mais ça marche euh, on est parti euh, directement en game boum et euh, on remercie évidemment les sponsors, avant ça, Plain by Magic Bazaar, code valupl 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient quand vous utilisez, merci à tous, et merci à ceux qui passent par le lien d'affiliation UltimateGuard pour faire vos petits achats, et oui. nous soutenir, merci à UltimateGuard d'avoir mis ça en place Yes, merci beaucoup. Et comme à l'accoutumée maintenant, le petit booster Bloomborough a gagné en participant dans l'espace commentaire. Il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne pour ça, de laisser un pouce bleu et de nous mettre un petit commentaire. On tire un, un commentaire au sort dans les jours qui arrivent et on vous envoie le petit booster chez vous. Merci à tous de participer. Ça nous soutient et on est très content que la Belle Carte, notre société, puisse sponsoriser cette vidéo pour vous faire gagner ce petit booster. On se retrouve aussi sur Vogue, code Carte. 10 euros offerts sur votre premier achat, sur l'application d'enchère en ligne. Tous les liens sont en description. C'est parti contre Nuno BXD. Nuno BXD. Alors ça se joue pas mal à la main de départ, hein, euh, le, le deck. On a besoin d'avoir, euh, bah déjà pas ça, euh, un peu de créature, un mais peu de spell. C'est un deck de qui mouligane bien et qui va demander justement d'être discipliné au mouligan. On va pas hésiter à mouligan des mains qui ont l'air euh, euh, de, de pas être très, ouais. très fonctionnelles. Mais globalement, tu pas besoin de grand-chose pour que ça fonctionne. Il n'y a que deux cartes qu'on ne peut pas jouer dans notre main, l'adversaire commence. Oui, je pense que tu peux la garder celle-là. C'est un petit peu dangereux, mais ça peut faire des trucs. En fait, tu vas jeter Audace, comme ça au moins tu n'as plus qu'une seule carte que tu peux pas jouer dans ta main. Oui. Le Mulligan qui est utile. Et, et c'est un deck qui, alors oui, il a des possibilités de jouer tout seul et tuer tour 3, mais en fait, c'est un deck qui est très résilient, qui est capable de remettre de la pression même quand l'adversaire interagit. C'est un vrai bon deck en fait, ce n'est pas un deck qui est très all-in, c'est un ouais. deck justement qui propose beaucoup de, beaucoup de ressources. Mmh. Là je vais choquer. D'où le, que... le fait que la plupart du temps tu veux pas essayer de tuer tour 3 justement mais plutôt de, de... de mixer au mieux tes... Tes... tes mains pour être sûr de finir la partie. Mm. Oh, nice. Là on va plot le petit prétentieux tranquillement. Oh, là, tu... Ça veut dire que lui il est discard proof et ça c'est une très bonne nouvelle. Mm. Ok, tu peux décider de replot celui-là et juste euh, passer encore le tour. Ouais, je peux jouer les deux, attaquer et faire un volant pot de serpent sur un des deux. C'est même max non. De Ouais, mais je on ne va pas faire ça. Je peux, je peux. Je crois qu'on va juste le plotter et passer encore. T'es pas pressé. Euh, on, on a juste à setup. Là, ils sont bien au chaud. Ton adversaire, il peut rien y faire. Et on va mais... se construire une main avec Druid Enquête. C'est presque un deck combo en fait. Il faut, faut voir ouais. que cherche un assemblage spécifique de cartes. Pour les contrer ou les de, tuer. De tuer la partie. Là, tu peux juste euh, vivre lance, passe, et du coup, tu auras Druid en 4 fin de tour. Je pense. Ouais. J'attaque, on sait jamais. Euh, il peut piocher, lui, il peut faire grossir son dualiste. Faut qu'il pioche 2 pour deux en éphémère. Qui pioche 2 pour 2 en éphémère. Euh, ouais, et dans le pire des cas, nous on est capable de, de le buffer. Vas-y, attaque si tu veux. Ouais. Alors il va bloquer fin de tour, c'est tout. Oui, mais tu pouvais peut-être essayer de, de choper un, un point quoi. C'est risqué de avoir, bloquer pour lui, je... il prend juste choc en fait. Hein. Ouais. Alors vu qu'il connaît les trois quarts de notre main, il prend pas choc, mais... Tu le laisses tuer ça non Quoi oui. Là j'ai vais cette setup un tour violent avec deux prétentieux tirs charme. Ouais, tu feras fin de tour druide de et, puis, et puis voilà. Alors, pour avoir beaucoup rencontré ce deck là, mes oppos ils étaient vraiment très patients quoi. Mmh. Ouais des fois t'as la sortie un peu nuts... Euh... Tu peux aller bah, dans l'endroit en très fait, vite. En fait, la mais... sortie notes, tu l'as fait contre les oppos qui jouent pas du noir euh, ouais. avec des, des, des early interactions. Et Genre contre eux, 5 C rampes. Ouais, tu vas juste nutser à fond et, et tourner autour d'à peu près rien. Waouh wow. okay, Cher ça spell. tu peux être double prétentieux, piocher, voir ce qui se passe. Tu peux double prétentieux, piocher, voir ce qui se passe. Ouais, pas vas-y, on va faire ça. Il hein. faut que je profite. je joue contrôle. Tu joues euh, contrôle. bien avec ton rouge. et non, tu vois, c'est fou comme le jeu ne veut jamais payer correctement bah, maintenant. C est... C est... Je pense que c'est parce que de base il prend la créature. Donc est il me propose 10 fois vert. sur 10 quoi. Ouais, non, bien sûr, mais bon, c'est dinguerie. Tu veux lander. Et ben, malheureusement, tu vas pas faire beaucoup plus là. Hein. Je peux réexiler pour mettre des points, mais bon, c'est pas ouf. Je crois que je vais garder ça surtout. Non ouais, je pense que tu veux toujours garder ton, ton snake skin. Et je vais perdre ça. Dommage. Ah peut-être qu'il faut que tu le... Ah, je sais pas alors. Non, je crois que non, tu peux non. pas. Hein. Si, si tu le joues et qu'il gère tes deux bêtes. Euh... Le truc c'est que si je le joue, euh, je perds mes... Euh m'écria exterminé, bah c'est non. Après, s'il a euh, plein d'exterminés plein de droits à la gorge, tu n'iras ouais. pas au bout de cette game. Hein. C'est juste mécanique. Et un moment aussi, euh, ouais. voilà. s'il la triple exterminé, C'est euh, ça fait partie aussi de, de tes match -up compliqués. Hein. Mm. Sachant qu'un 0-3 qui bloque autour d'eux, c'est fine aussi contre tes sorties agressives. C'est le deuxième. Ex... Ah non, c'est le troisième. Hein. Non, c'est le troisième. Ouais. Pioche beaucoup de cartes. nulles. T'as quoi au cimetière On a eu quoi en fait euh, Plus ou moins notre point de départ. On a pas eu grand-chose. Okay. On a perdu un druide. Oh, ouais bon. bon. Tu peux t'en tu peux aller. Rip. Il bon, y a, y a 20, genre 20 landes, donc bon quand vous en piochez 7, t'as perdu quoi Alors... Contre lui, qu'est-ce qui est bien Les trucs qui grindent hein. Forge du Rabrasque, c'est très bien. Forge est bien. J'ai à peu près tout. Non, je pense pas. Ça, ça le virer je ça 0,3 Tu veux Ouais, je pense pas. Je pense que tu veux Frénésie, euh, surtout. Parce que Frénésie, ça fera le job contre tout le monde. Ouais. Ai euh, ce que tu veux pas, c'est Audace. Parce que c'est rituel. Mm. Ce que tu veux pas ensuite. On a plus de bêtes que dans les autres versions. J'imagine que c'est un truc genre euh, peut-être défieuse Bresker qui est un peu plus ouais, médiocre. Je peux que une défieuse, ouais. Je mets que deux frénésies, hein. Je mets pas quatre, si. Je mettrais bien une troisième frénésie contre une deuxième défieuse side vu que t'as rentré des forges qui sont déjà des bodies supplémentaires. Allez, ça marche. Frénésie, c'est bien parce que ça attrape n'importe lequel de ces bloqueurs, notamment Cholred. Notamment Cholred qui est très relou. Ouais. Dimir euh, Tempo Control Dimir range oh, en face Dimir tempo, hein. mm. tempo. Tempo, tempo. S'il joue le, le drop 1 euh, fly là, c'est euh, bien tempo. Ouais. Super. Nice. Tu fais pas des sorties euh, à base de vive -lance, donc tu fais pas des sorties push. Non. Ni le héros pire au cœur. Oh, Le hérisson il est bugué. Euh, Je suis obligé d'avoir shock Up. Je suis obligé. Non, tu obligé de rien, mais. Et là, écoute, tu vas prétendre. Je vais prétentionner. Hein. Alors si. Si tu restes pas choc up, du coup il peut te faire euh, chauve-souris sur choc, mais tu t'en fous. Tu auras je... protégé ton prétentieux. Ouais, je m'en fous, et euh... Et euh... Je suis euh, discard proof sur le druide, donc ça va. Non toujours hein, quand même. Statistiquement ouais. c'est pas obligé. C'était plutôt. Ouais, ouais c'est clair. C'était plutôt attendu ici, donc pas trop de surprises. Ouais, là tu peux commencer à lui proposer une, une, sacrée... une sacrée sauce, juste en piochant avec druid, j'imagine. Donc je fais quoi prétentieux? Ah j'aurais pas landé, hein. j'aurais pioché avec druid, tu vois le land que tu chopes. Hum... Ah, ah oui, oui, non, parce que si tu, si tu chopes pas un land rouge, tu peux pas rage derrière. Euh, oui, effectivement. Je ne sais pas. J'ai un... Ça... un doute. Il en est fait, dur à ça... de ce deck. Ça, ce qu'on va exiler, tout ce qui va coûter 2, on peut pas le jouer. Donc en fait, on va creuser que dans les trucs à 1. T'as aucun spell qui coûte 2. T'as que des spells qui coûtent 1. Le seul truc que tu exiles qui coûte 2, c'est des bêtes. C'est druide. Ouais, mais du coup, on les perd quand même. C'est là que sur deux cartes, tu ne trouves pas un drop 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peut-être qu'on peut attendre. Écoute, tu Il y a peux essayer de. Re... Hein, qu'on ne pas. Tu, tu peux reconquérir euh, plus tard euh, avec Druid et là juste faire prétentieux euh, double buff. Hein. Ouais. Euh, c'est un rituel ça Non, c'est éphémère. Toi, quelle grâce. Enfin, double buff. Je dis double buff, mais peut-être que juste rage, ça suffit vu que tu ne pioches pas là avec ça. Si, je pioche. Elle n'a pas de plus en plus zéro parce que j'ai pas de souris, mais. Je peux ah, d'accord, ok j'y vais. Ouais ouais. Nice. Et je mets la rage. Bon ça donne piète, hein. j'ai même pas vu s'il avait bloqué encore, mais. Je, je pense qu'il allait pas bloqué de toute façon. On met nos 8 points. J'aurais pu peut-être garder le trix pour ne pas prendre exterminé. Bon, change rien. Deux points. Allez, forge. Gorge et forge. Forge et gorge. Contre pétri. Ça a l'air difficile quand même. Hein. Franchement, le match-up euh, Dimir, ouais. early interaction, petite bête. Euh... Il y a bien un match-up up que tu veux pas trop affronter. Euh... Ouais. C'est bien celui-là, quoi. Pioche. Okay. Après, on, on fait vraiment des sorties éclatées là. Bah, c'est plutôt que lui répond très très bien à nos sorties parce que nos, nos, nos sorties sont fine en vrai Là, ouais, je veux dire, on, on trouvé énormément de land c'est compliqué euh... après... alors non je vais pas piocher avec Druid je vais attendre à sa, sa phase d'attaque pour euh, peut-être trouver une prénésie du pisteur et tuer Jolade ouais après je, je, je présuppose aussi qu'on joue probablement pas très bien le deck moi c'est un deck que j'ai très très peu joué j'ai beaucoup vu mes adversaires le jouer et mmh. souvent ils le jouaient très très bien. C'est fort probable aussi qu'on laisse un peu de win rate quoi. J'sais pas ah si ah ça oui, modifie oui. le liste des mais on joue pas de façon optimale. Mais là, une on pioche cette land, Enfin ça c'est. Oui oui non bien sûr. Même si on était le, les maîtres de ce deck, je pense que la game était loose quoi. Ah petit man land délicieux. Ouais non écoute là tu prends, tu prends la totale. Hein. Y a rien à faire. Ça paye mal. Ouais, ça paye mal, tu. Ça paye avec Frenési, les deux. Tu ouais. Il est bien ce jeu, non Qu'est-ce qu'on en pense Bah, il faut faire attention maintenant. Tous les mana, faut les taper à la main. Ouais, quoi. Ça tape tellement mal. Bon, après, on avait perdu, on n'a pas trouvé Frénésie de toute façon. Bien joué. Allez une petite encore. Ah, allez une petite encore. C'est bien, au moins, on peut faire plusieurs gameplays facilement dans cette vidéo. Le deck va vite. Ouais, par contre, Dimir exterminé. C'est le nom mmh. que je vais donner à ce deck-là. Euh, c'est Durant Ouais. C'est pas facile. Après, ça me choque pas que ce deck. Enfin, euh, je veux dire, si ce deck-là, il perd pas contre mono-noir, mono early interaction, ouais. c'est que ce deck-là, euh, il est oui. problématique. Parce que pour le coup, il éclate bien un peu tout le reste. Oui, oui, oui. En plus que tu peux setup up et tout. Hein, mais... En fait, Dimir Tempo, il te met la pression, il disrupte ta main, il a des comptes, il a des anti-bêtes, il a tout pour attaquer ton deck. Ouais, ouais. Pas mal, ça. Ouais, c'est très bien, même. Petit point avec la vivance euh, Moi, ça. je suis plutôt, plutôt Piroker, ouais. ouais. Plutôt team Piroker. Et le tour d'après, lance into, euh, into buff. Un buff. buff. C'est une souris, euh, Piroker Non Oui, bah oui. peut-être. Oh, stylé. On a huit souris. Putain, il est vaillant, lui. Hein. Il a une gueule de, 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 de souris vaillant, vraiment. Il fait kiffer, tu vois. Oh. Ouais. Non mais alors t'inquiète j'ai joué des decks exterminés et j'ai quand même perdu hein. tu, peux, tu peux gagner oui, oui bien sûr c'est pas... Quelle couleur rouge oui rouge le vert est splashé ouais je sais pas si tu veux vivre tu veux pas juste faire fin de tour druide enquête ici et voir ce que tu chopes ou tu veux vivre rage face là comme ça maintenant vivre lance rage c'est pas mal hein. il vient de faire un anti-bête Je suis team quand tu peux tu places des points et, euh... et quand tu peux plus bah, tu draws. Parce que piocher en fait quand t'as un truc ploté ça peut être intéressant tu setup un tour. Là comme on n'a rien ouais, ça c te payer juste un land et une action à mettre avec ta vive lance. Je pense que ça fonctionnait aussi hein, mais mmh. euh, Là, là t'as un intérêt à, à druide sauf si tu trouves un drop de. c'est encore le même problème. Du coup tu garderais juste druide fin de tour. Je crois que je fais le land attaque. Ok. Avec Druid Tour. Là t'affrontes Orzov, donc c'est le même calvaire que Dimir, hein, globalement. Il va avoir les mêmes mmh. early interactions. Et en plus de ça, il va avoir des. Euh, ça ne fonctionne pas. Tu peux trouver Snake Skin si t'es genre le, le boss des boss. Ouais, mais si je trouve pas Snake skin, skin, je vais waste mon, ma pioche. Donc... Ça reste pas jusqu'à la fin de ton prochain tour? Jusqu'à la prochaine étape de fin ce sera là, là. D'accord. Non je veux dire ok, il pourra rien faire à ma pioche, on pourra pas la contrer lui. Et puis euh, on va repartir avec Druid Enquête et les trucs qu'on a pioché Ok ouais. Ouais, tu peux protéger euh, entre guillemets ton druid ici. Ça paye mal. Je peux faire ça sur euh, ça, en draw. Est-ce que je le fais Là il va l'enlever donc si je trouve un land c'est mieux. Si je trouve un truc actif, bah... Ah bah là dans vie. tous les cas il l'aura enlevé. Ouais, ouais. vas-y. je fais ça. Ouais il enlève Audace. Audace qui marche pas bien avec Druid. Ok. Ok. Bah land, druid pire au cœur. Ça... Ah oui, c'est bon. Ouais, je suis obligé. Je vais dire... je vais ça, dire ça peut dire pas ça paye payer mieux. Tu, tu peux pas faire mieux, ouais. ouais. Il a landé quoi, pardon C'est du bleu ça Il joue espère euh, Forteresse. Ah que... ouais, non, d'accord. Putain, on dirait une carte bleue. Genre euh, le truc avec lequel tu payes Ouais. On dirait, on dirait une CB. Oh, c'est pas mal ça. Ouais. Pose un pose un petit fion là. On va lui mettre un petit, un petit fien. Sur le coeur je pense. Pas sûr. Ou alors sur la Attends, si vive lance. Si tu la lance. mets sur la vive ça propose énorme. Et si tu le mets sur coeur c'est quoi euh, Il devient 4-2 piètes. Et si il Et bloque. Le euh, je vais mettre 4. Je vais mettre 4, ouais. Bah vas-y, ouais. Le truc, c'est qu'il y a une 3-3 qui est une des points Zoraline, quel enfer. J'attaque avec euh, que ça, du coup. Oui. Oui. Ah oui, parce que les spells verts, ça marche pas sur Druid Enquête. Putain, hum. c'est moche. et eh ouais. Oh, oh C'est pas mal du tout. Fin de tour, tu pourras récupérer ton. Ouais. Ton audace. Si je peux, je vais le garder pour le trigger pendant mon tour. Ouais. Ah bah vu tes manas, spoiler, tu peux. Je peux, je peux, ouais. Buzz. Ouf. Ouais, clazaute. Mais ça, ça peut ne pas suffire hein, de son côté. Euh, autres. Hein. Ouais, il aurait dû attaquer, je pense, avec sa chauve-souris. Nice, okay. allez. Tiens ça, ça. Mais lui la totalité. Oh, dans la gueule. S'il te plaît. Audace qui va aller sur la violence Ouais, trigger. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, comme ça, il n'a il a pas envie de bloquer avec aucune des deux. Et s'il ne bloque pas, il est mort. Euh, et on va ça dessus, il prend 4, 5, 6, 7, 8. Il, il prend la même... Et il prend plus sur la Vivelance parce que tu as un point de plus. Ouais, mais il va falloir sur la Vivelance, hein. Ouais, ça va tellement vite enfin, ce deck bah en bah. fait il regagne 4 mais il y a un board bon il est okay. très fort ça pimpe hein. très fort mais si tu top deck ouais, ça va pas suffire je crois hein. euh, je crois qu'on doit être bon là si je fais sur druide enquête bah, si tu fais sur Druid Enquête, il peut trader l'un, alors que si tu le mets sur... Euh, il... Bah, ah, il trade, il trade aussi. Pas le piète. Il trade aussi. Je crois que c'est bien, il trade, euh, il va gagner 4 ah ouais. PV, en perdre beaucoup. Voilà, bon, alors j'attaque avec ça, hein. parce que là il trade, il prend 7, il prend 8, euh, il est à 9, donc il a à 1 si j'attaque avec ça. Donc là j'attaque avec Druid Enquête. Oui, il est quand même obligé de bloquer en fait, ouais. ça va. Il gagne 1, donc il a 6. Ah, il peut. Les landes ne, faire... ne sont pas légendaires, c'est rigolo. Il peut faire revenir ses deux à clasotte, mais ils arriveront en tape. Ouais. Ça, ça ne suffit pas en l'état. Ça, ça fait gagner du temps, c'est tout. Et ouais, il y a ouais. 11 points de pied de poulet. Un dard. Ok. Bon, là, tu vois, il s'est battu, mais ça n'a pas suffi. Ouais. Hein. Ça, c'est toujours bien. Oh, bah, du coup, vu qu'il joue blanc, est-ce que c'est ouais, mieux C'est Laurent, que... il ne les rentre pas normalement. C'est Laurent, il touche que Audace. Ouais, mais il connaît, il connaît le match-up, le type. Hein. Pas sûr. C'est hein. que tu as des forges du Rabrasque. Ouais, mais est-ce que je les rentre M contre lui Moi, je pense que tu rentres pas tes forges. Hein. J'ai rentres... plus de forges qu'il a de Laurent. Donc, déjà, euh, si on pense que c'est bien dans le match-up contre. Euh, non, mais, mais il, a des, il a aussi des. Comment ça s'appelle Il a aussi des. Il s'appelle des Oui. Ouais. Ouais, mais les gens de sang ça touche d'autres trucs. Non, je pense c'est bien de rentrer forge. Hein. En plus, ça t'oblige à attaquer dans ses bêtes lifelink. Ouais. Je non, c'est pas, si pas, pas obligé d'attaquer les mais... bêtes. Ok, ouais. Tu la crées et elle se sacrifie au pire, quoi. Je pense que c'est bien. En tout cas, euh, si on la rentre pas, c'est parce que c'est pas bon dans le match-up, c'est pas parce qu'il a du side ou contre. Ouais, ouais, ok. Ça, c'est peut-être pas mal contre lui, hein. Bah ouais, c'est bien, il a Zoraline, il a encore plus de cibles. Ouais, parce qu'il a Zoraline en plus. Je vois qu'on rentre ça, on rentre pas ça. Bah ça, c'est quand même bien aussi, mais le problème, c'est que tu rentres trop après. Euh, un peu ouais. compliqué. Déjà, tu vas sortir Audace, toujours pareil, hein, tous les trucs euh, rituels, ouais. ça dégage. C'est pas très très bien. Euh, ouais, Défuse, ah, c'est quand même pas si mal contre lui. Bah c'est le même argument Quoi que qu tout, a des tout à l'heure pour Tu T'as rentré... Ouais. T'as rentré des forges, donc t'as rentré des bodies supplémentaires. Tu peux, en, tu peux cutter dans tes bodies. Après, est-ce que tu veux plus Est-ce que tu veux des Moi, je trouve que frénésie, c'est pas mal. Mais je peux cutter euh, deux chocs pour deux frénésies. Non, tes chocs sont trop importants contre ces chauves-souris. Bah, même c tes que chocs contre ils vont face deux. et tout. Ah, ouais, mais même ils vont face, ils vont manger un petit point à droite à gauche. J'enlèverais plus des puissances d'herbe, par exemple, que je trouve un peu, un peu mais quoi. Ça me va. Deux. Ouais, vas-y. Parce qu'il faut quand même des cheap interactions. Plus tu euh, grossis ta curve, plus les druides sont à chier. Enfin, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est dur à sider. Hein. Il, est, il, est du, il est dur à jouer ce deck en fait. C'est ouais. un deck qui est dur à prendre en main juste. Mais c'est hyper cool. Euh... Genre quand t'as piloté une bonne game, c'est très satisfaisant. Ouais. Bah, c'est un deck qui t'apprend à mieux jouer à Magic. Quoi. Alors, après, il y a des gens qui jouent plus ce genre de deck-là. C'est une main qui est descente, quoi. C'est vraiment faible, mais. Je crois que Mulligan avec ce deck, c'est un peu dangereux. Quand t'as une main descente. Si j'étais toi, je jouerais juste pas mon pire au cœur autour, hein, quoi, c'est tout. J'allais pas le faire. À cause de chauve-souris de merde, là. Ah La main est bien meilleure. Ouais, la main est cool. Là il fait chauve-souris, tu fais choc, t'es bien. C'est un truc de fou. Ouais mais t'as ton choc à chaque chauve-souris, donc on est, on est bon aussi. On est bon aussi, c'est vrai. Et là juste je drop pire au coeur et je passe moi perso. Du coup... Ah tu veux protéger avec ça Bah au cas où quoi. Bah Ah merde, j'aurais dû mettre forêt du coup. Putain. Ça en fait ça arrive étape après. Bah, il dit forêt, de toute façon, regarde, tu vas piocher plein de rouges. Il est splashé ton vert, tu vas piocher que des landes rouges après. Ok. Pe Peut-être ça va nous coincer un moment. C'est la vie, quoi. Bah, je retourne après, on peut pas druider ça, par exemple. Hein. Potentiellement. C'est bon. En fait, t'as qu'une seule forêt, donc tu peux plus piocher. En fait, l'argument, la, c'est que t'as seule forêt dans ton deck, le mmh. seul mana exclusivement vert, bah, il est dans ta main. Donc maintenant tout ce que tu veux ouais. c'est rouge. Donc si je repioche des lances, c'est bon. Je peux lui proposer une petite défieuse et sauce hein Tu peux lui proposer une petite défieuse et sauce, je crois. Je crois. Pas mal. Trois puntos. Euh, ah putain. Quoi? On n'a pas tourné autour de Vertu. Bah, Vertu je fallait je pas attaquer avec Piroker. Pourquoi? Bah pour Piroker, c'est chiant, tu vois. Bah ça tu es ça de deux. Ouais ouais, OK. Je me dis que c'était mieux sur une défieuse par exemple quoi. Il s'aille de ça contre toi. 5 terrains dégagé. OK. OK, faut le tuer avant que ça ça arrive du coup. Ouais. Bon, c'est quand même dans longtemps, hein. c'est dans deux tours. Mais là tu peux lui mettre une sacrée sauce, non Là, je peux lui mettre une belle sauce, je réfléchis si je pioche sur ce tour. Ou si ouais, je je, je rosse parce que je peux faire ça là-dessus pour exiler une carte. Ouais, ok. Alors fais gaffe qu'il a quand même euh, Cut down up. Il est très bon, ouais, notre adversaire. Je teste ça sur un défieuse Ouais. Mais il sait que t'as Snake Skin, hein, mais ouais. il est obligé de bouger quoi. Snake Skin. Je vais y Ah, dommage. Eh ben ça part, hein. Ah, il allait prendre bah, un petit, euh, petit coup dans la besace, là. Je te le dis. Ouais, mais cool, euh, je trouve que c'était coup cool, euh, acceptable, en vrai. C'était hein. cool C'était très cool, ouais. C'était cool, hein. Val. Écoute, je trouve, trouve qu'il était plutôt, plutôt gentil, euh, notre pot, tant mieux. Tant on, mieux, tant mieux. On est à 1-1. Ah, moi, ça m'allait, mais... Est-ce ah, qu'on reste veux... sur un statu quo, ou est-ce qu'on on voit si le deck est le meilleur ou le pire Franchement, vu ce deck-là, je serais resté sur le statu quo, mais... Euh... Ça me va un petit statut Moi, quoi. Je, je joue des, des soupes mid-range dynamiques, je joue pas du tout des decks spell agressifs, donc ouais. euh, c'est pas ma zone de confort si tu veux. Écoute, on a montré ce que faisait le pack de toute façon, c'était assez simple, hein. mais, euh, mais c'est intéressant. On n'a pas fait les meilleures sorties, euh, les, plus, euh, les plus puissantes. Et on a battu euh, des decks mid-range interaction noir et blanc, ce qui est un peu. Euh... Ouais, c'est pas pire que Dimir, mais c'est vraiment pas ouf non plus. Euh, moi je pense que c'est pire que Dimir, hein, franchement, hors of. Hein. Je pense que c'est le pire deck que tu puisses affronter, c'est Orzhov. Bah Et genre, on s'en est bien sorti. Euh, en les fait, les comptes, Orzow, il a avec, pire, quoi. Le, avec le blanc, il a plus. Bah justement, les comptes, c'est pas très bien contre les, les spells, les petits spells, les petits fights, enfin les, les petits spells de, de target. Euh, alors que le blanc, ça lui offre des options de side qui sont beaucoup plus méchantes que Dimir. Ah oui, pour le side, en ouais, fait, ouais. En fait, main deck, il a les mêmes choses qui t'embêtent, c'est-à-dire la discard ciblée et les interactions noir-cheap. Ouais. Sauf que qu'après ça, il est, il est encore plus méchant que Dimir. Donc, non, franchement, on a, on a battu un match-up qui est exécrable. Le propos des contres, c'est euh, pas très bien contre ce deck, en fait. Sauf que euh, ouais. quand tu passes pas au début parce qu'il a des interactions, ce qui est tout le temps le cas normalement, euh, la game dure un peu plus. Et là, le contre, en fait, ça fait que euh, on ne peut pas protéger avec un voile. En fait, ça nous empêche de setup quelque chose. Parce que quand on va essayer de développer un prétentieux ou un druide, bah, il va contrer, faire du deux ouais, points, potentiellement. Lui pour interagir avec ton deck, euh, moi pour être souvent du côté de l'adversaire qui essaie d'interagir, mmh. tu dois toujours dépenser tout ton mana, c'est-à-dire ouais. impacter le board pour pouvoir ou bloquer ou euh, tuer à un moment, et toujours garder tes interactions up pour pouvoir interagir sur, euh, sur, sur le board. T'as jamais le mana de contrer. Je pense même qu'il les decide ces contre après ça et contre nous. Bah à la une, euh... ah, peut-être euh, il les decide, ouais, mais à la une tu vois il contre druide enquête l'aventure, euh... on est au fond quoi ouais ouais mais c'est un scénario qui effectivement nous est défavorable mais text texturellement parlant c'est pas giga bien alors qu'Orzhov ouais. genre toutes ces cartes elles sont bien contre nous et après side ouais. on, il, ça, il se rajoute des se rajoute des dunks quoi bah, disons que si avant side le contre peut être une bonne option en plus de toutes les interactions et après side euh, bah, il ouais. a plus le contre il a aussi d'autres trucs tu vois je sais pas s'il a des euh, contre ce genre de deck que tu mets des, euh, des boons en side ça t'éclate te, ça te, ça ça, ça peut aussi je, je pense que juste structurellement, uh, of c'est bien contre les packs agressifs et les packs grûl agro uh, là où justement mmh. uh, Golgari a un peu plus de mal. Et ouais. écoute, on a vu que uh, c'est disputé, très difficile, quand bien même ton Oppo, il a 1000 interactions, tu peux quand même gagner. Et c'est ce qui en fait... Un... C'était un des meilleurs decks euh, pré-rotation, et là, je pense que ça reste un des meilleurs decks post-rotation. Ouais. Ah, franchement, il est très très cool euh, à jouer en plus. Ça nécessite de se creuser la tête bien fort, mais... Euh, ouais, très, après, très je pense que c'est des... C'est des, des patterns de play qui, quand tu joues beaucoup le deck, euh, pour nous, c'est pas naturel parce que c'est pas le style. En tout cas, moi, c'est pas du tout le style de deck que je joue. Mm. Mais je pense que pour ceux qui jouent ces styles de deck là à force de pratiquer, t'as des espèces de, de patterns et de séquences naturelles qui te viennent. Ouais. Donc, moi, je vais avoir plus avec des decks mid-range. Et qui fait que pour nous, on se creuse la tête pour trouver le meilleur play, alors que eux, ils ont le pattern naturel qui viennent, tu vois. Mm. Ouais, je vois. Donc super cool comme, comme paquet testez tester, ça euh, si vous avez l'âme d'un bon piloteur. Il y a plus, carrément. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Fr. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.